Le secteur de l'automobile connaît un regain de vitalité. Le gouvernement veut accompagner l'émergence de cette filière, raison pour laquelle il a décidé d'associer son image à la cérémonie de lancement officiel du Salon automobile d'Abidjan. Le marché de l'automobile compte officiellement 22 concessionnaires. Il devrait s'enrichir d'une dizaine de nouveaux concessionnaires dans le courant de l'année, ce qui aura pour conséquence de faire monter la concurrence et faire baisser par la même occasion les prix des véhicules. Le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement tiennent à ce que le secteur automobile prenne toute sa part dans notre ambition d'émergence de notre pays. On commence par regarder l'évolution du secteur de l'automobile. Je voudrais vous féliciter, concessionnaires et l'ensemble des opérateurs dans le secteur automobile, ainsi que les banques, pour ce que nous avons réussi à faire ensemble en 6 mois, avoir une croissance de 17% d'acquisition d'achat de véhicules neufs en 6 mois, c'est quelque chose de remarquable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire atteint le taux de croissance au niveau net des ventes de véhicules neufs, et aujourd'hui le premier pays en Afrique avec le taux de croissance le plus élevé. Parce que nous sommes en train de réussir un pari qui semblait être un pari difficile, un pari auquel beaucoup donc, ne croyaient pas. On a beaucoup de discussions en ce moment pour installer en Côte d'Ivoire des usines de montage, des discussions très très avancées, aussi bien chez nous qu'avec la Chambre de commerce, qu'avec le ministère de l'Industrie. Et je peux affirmer que d'ici la fin de l'année, nous allons conclure au moins avec un grand constructeur. Le Salon automobile d'Abidjan se tiendra du 12 au 16 décembre 2019 au futur parc des expositions, route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Donc, il faut que les Ivoiriens aient prennent connaissance de ce qu'ils ont comme concessionnaire de produits dans un salon où ça permet à tout le monde de venir regarder, observer, au lieu d'aller regarder toujours les parcs occasion ou les parcs informels. Et donc le salon automobile, ça va être un salon éducatif. Il m'a donné aux Ivoiriens la chance de connaître la comparaison. C'est important que les Ivoiriens ils apprennent dans ce salon beaucoup d'informations. La première édition du salon automobile d'Abidjan a pour thème l'automobile, moteur de l'émergence en Côte d'Ivoire.